Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parigo. Cette semaine, je vous emmène au cœur d'un pôle multimodal mal aimé, saturé, alors même qu'il est desservi par deux lignes de RER, deux lignes de train, une ligne de métro et une ligne de tram. Un super jeu, sans doute le plus beau de la région. Vous l'avez compris, il s'agit bien sûr de la Défense, par où transitent chaque jour plus de 350 000 étudiants, touristes et bien sûr salariés. Alors ça paraît énorme, mais c'était encore bien plus avant le Covid. Il y a 60 ans, il n'y avait ici ni tour, ni métro, ni RER, et la plupart des lignes de transport actuelles ont été construites dans l'urgence pour accompagner le développement ultra rapide de ce quartier d'affaires, ce qui explique sans doute une bonne partie des problèmes actuels. Alors comment améliorer la desserte de la Défense, mieux la relier à son environnement proche? Et que faut-il attendre de l'arrivée prochaine de la future ligne 15 du Grand Paris Express, mais aussi de Vélib, ici, sur cette dalle? C'est ce que je vous propose de voir avec moi aujourd'hui. Sortie de terre à la fin des années 60, les premières tours se sont ensuite multipliées et très vite, la problématique des transports est devenue criante autour du parvis de la Défense, une sorte de course contre la montre sans cesse renouvelée. Aujourd'hui, près de 9 salariés sur 10 viennent à la Défense en transport en commun. Il faut dire qu'à vélo ou en voiture, c'est encore plus compliqué. Désormais, le centre d'affaires vit au rythme du télétravail, une vraie bouffée d'oxygène, mais pas forcément suffisante, entretien. Nous nous projetterons ensuite dans un futur plus ou moins proche avec la montée en puissance d'ici décembre du RER E et l'arrivée tant attendue de la ligne 15, ce qui devrait durablement soulager les lignes existantes. Parigo mène l'enquête. Enfin, nous célébrerons l'arrivée de Vélib à la Défense. 30 stations doivent y être installées d'ici à l'été 2025. De quoi rendre les lieux plus hospitaliers aux cyclistes, c'est ce que nous verrons avec le président de Vélib Métropole. La Défense, c'est une gare piège pour de nombreux voyageurs victimes d'une tarification peu lisible à coup de tickets plus valable ici dans le métro, mais pas dans le RER, de quoi compliquer encore un peu plus un accès déjà historiquement très délicat. Voyons pourquoi avec Antoine Marguet et Meïla Mendy. C'est le premier quartier d'affaires européen. La Défense, ses tours immenses et ses 500 sièges sociaux d'entreprise. Tous les jours de la semaine, 180 000 franciliens viennent travailler dans ce cœur économique de l'Île-de-France. Et pour la plupart, ils se déplacent en transport en commun. Pas moins de 6 lignes passent par l'Arche, sans compter les bus. Donc c'est vraiment une grande gare, donc on voit bien qu'il y a à notre disposition plusieurs moyens de se déplacer. Mais tout ça, c'est en flux tendu et au quotidien. Donc dès qu'il y a un souci quelque part sur une de ces lignes-là, ça répercute toutes les autres et ça ne peut faire qu'effet boule de neige en fait. Car tout l'enjeu à la Défense, c'est d'arriver à transporter plusieurs milliers de salariés au même moment, aux heures de pointe, le matin ou le soir. Le plus difficile pour eux, c'est surtout d'accéder aux rames, une situation qui, vous allez voir, n'est pas nouvelle dans le RER A. Illustration avec ce reportage, nous sommes en 2011. Trouver une place dans le RER le matin? Très difficile, Askel, très très difficile. Mais les ennuis ne font que commencer, car une fois à l'intérieur, pas plus de quelques centimètres carrés pour chaque passager. C'est l'enfer, voilà. On a assimilé à du bétail, hein, très clairement. En grandissant, la Défense a dû multiplier ses lignes. Il y a eu d'abord le RER A dans les années 70, puis le prolongement de la Une et son automatisation dans les années 90, enfin le tram 2 au début des années 2000. Aujourd'hui, l'arrivée du RER E est une nouvelle solution pour l'attractivité de la Défense. La Défense a toujours été conçue comme un hub multimodal de transport collectif lourd. Et on peut regarder des statistiques sur une longue période, on a toujours une part modale des transports en commun qui est comprise entre 80 et 90%, quelles que soient les époques. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Car en voiture, accéder à la Défense reste compliqué. Chez TomTom, on scrute les bouchons qui sont nombreux aux heures de pointe, mais pas forcément sur le boulevard circulaire en sens unique qui entoure le quartier. Quand aujourd'hui on a une concentration sur un pont, comme le pont de Neuilly, il va y avoir des milliers d'automobilistes qui vont devoir passer par ce pont ou par ces quelques axes d'entrée et de sortie. Et finalement, ce n'est pas tant le cœur de la Défense qui est aujourd'hui le nœud du problème, ce sont les axes d'accès. À la Défense, la fin du tout sans télétravail est une réalité depuis au moins 2 ans. Désormais, la fréquentation dans les transports dépasse celle de 2019, avant le Covid.
Bonjour David Guerra. Bonjour. Vous êtes directeur des services et des mobilités à Paris La Défense. Alors on vient de le voir dans le reportage, on peut pas dire que La Défense soit mal desservie. Mais il y a toujours un problème majeur, hein, c'est celui des heures de pointe, notamment du matin où il y a à peu près 180 000 salariés qui arrivent tous en même temps. Pourquoi on n'a jamais réussi finalement à lisser ces heures de prise de service? Ce qui a été fait par Paris La Défense en 2017, c'est une expérimentation. Donc une convention qui a été signée avec 14 entreprises, justement pour tester en conditions réelles des solutions pour lisser les heures de pointe. C'est une expérimentation qui a eu des résultats mitigés puisque assez rapidement le Covid est arrivé et donc ça a largement bouleversé les modes de fonctionnement. L'enjeu étant plutôt maintenant de faire revenir sur le quartier d'affaires les salariés. Effectivement, l'effet télétravail est spectaculaire hein, puisque avant le Covid, il y avait environ 450 000 personnes qui fréquentaient La Défense chaque jour. Aujourd'hui, on est tombé à 300 350 000. Ça se ressent au quotidien dans ces transports bondés? Oui, tout à fait. On a aujourd'hui un nouveau rythme. On peut vraiment parler de ça sur le quartier d'affaires, avec notamment le mardi et le jeudi, une affluence plus importante que les autres jours. Nous avons travaillé, donc sous la forme d'ateliers, à trouver des solutions concrètes justement pour décaler, lisser, changer de mode de transport, notamment avec les modes doux. À peu près 30% en fait de la population aujourd'hui pourrait venir en vélo puisqu'ils habitent dans un rayon de 30 loin, à 45 minutes. Alors aujourd'hui, vous avez à peu près 5% de part modale, hein, c'est-à-dire de salariés qui viennent à vélo à La Défense. Vous visez 15% en 2030. Tout à fait. Nous avons bénéficié clairement de l'accélérateur du déconfinement, puisque un certain nombre d'aménagements, dont certains étaient réputés vraiment infaisables, ont pu être réalisés. Je pense notamment à la liaison sur le pont de Neuilly. Des aménagements aussi dans les voies couvertes que l'établissement justement souhaite pérenniser. Alors aujourd'hui, vous avez à peu près 87% des 180 000 salariés qui viennent ici en transport en commun. C'est une très bonne chose pour la planète. Mais s'ils prennent tous les transports en commun, c'est que si l'accès via les autres modes, hein, voiture ou vélo ou même piéton, est assez compliqué, c'est assez inhospitalier hein, quand même La Défense pour tous ceux qui ne viennent pas en transport en commun. Oui, tout à fait. Vous le voyez, aujourd'hui, nous sommes au sein du hub de transport du quartier d'affaires, qui est la principale porte d'entrée du territoire. C'est vrai que l'établissement s'attache à pouvoir continuer à aménager les autres modes, notamment les modes doux que nous souhaitions vraiment intensifier. Alors revenons au transport en commun avec deux projets d'aménagement hein, concernant le T2, hein, qui souffre hein, quand même de saturation, peut-être encore plus hein, que la 1 et le RER A dès qu'il arrive à La Défense. Et d'abord, cette nouvelle station Rose de Cherbourg hein, qui pourrait voir le jour prochainement et qui aiderait quand même à mieux desservir le sud du quartier de La Défense. Les études sur la création de cette station, les études de faisabilité sont en cours, devraient se finaliser en courant d'année, donc avec une restitution qui interviendra plutôt à l'horizon 2025. Et il y a un autre projet ici du côté de La Défense. Dans l'intervalle, ce qui a déjà été validé, c'est l'extension donc, des quais de la station existante, qui d'ores et déjà présente des problématiques de saturation et qui devrait être traitée à l'horizon 2026-2027 par la RATP. Eh bien, on espère que ça va se concrétiser très rapidement. Merci beaucoup, David Guerra, pour toutes ces précisions. Maintenant, on va filer, s'intéresser au RER E qui va monter en puissance, enfin, d'ici au mois de décembre, et à la ligne 15 du Grand Paris Express, très attendue sur La Défense. Alors, pour quel effet? On voit ça avec Mathieu Caillot. Un RER tout neuf dans une gare monumentale. La Défense est en train de préparer sa prochaine mutation qui sera ferroviaire. Il est bien loin, le temps où n'y circulait que cet humble tramway. Ce quartier, alors sans intérêt, a commencé à devenir une destination prisée depuis l'implantation du CNIT. Sous le CNIT, justement, l'arrivée du RER E va bientôt changer la donne. Nous prévoyons d'accueillir 80 000 voyageurs par jour, c'est beaucoup. On estime, par exemple, que la ligne RER E va permettre de désaturer le RER A d'environ 15% dans son tronçon le plus saturé, entre Châtelet-Léal et La Défense. Et puis, ça va permettre de désaturer de 12% les RER B et D, ainsi que la gare de Saint-Lazare, qui est la deuxième gare la plus fréquentée d'Europe. Et dans moins de 2 ans, une fois le prolongement achevé, de nouveaux voyageurs arriveront depuis l'ouest parisien, certains d'entre eux pour travailler, d'autres pour continuer leur chemin en métro, RER, tramway ou transilien. Quelques années plus tard, ce sera au tour de la ligne 15 de marquer l'arrêt. Ici même, nous sommes à quelques centaines de mètres de l'autre côté des quatre temps. Le Grand Paris contribuera à son tour à désaturer le réseau existant.
Ça va permettre, depuis la Défense, de rejoindre très directement un certain nombre de pôles qui, aujourd'hui, ne sont pas desservis directement. On pourra aller au sud beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, on a le choix entre le tramway ou le Transilien. Là, on y sera dans une vingtaine de minutes sans aucun problème. Donc, un maillage complet qui permettra, depuis toute la banlieue nord et la banlieue sud, de rejoindre la Défense beaucoup plus facilement et surtout sans passer par Paris. Poumon économique et tertiaire, la Défense s'apprête à devenir également un hub ferroviaire conçu pour le transit de masse, multipliant les possibilités de transport pour des dizaines de milliers d'usagers. Bonjour Sylvain Réfaux. Bonjour Bertrand Lambert, c'est un plaisir de faire du vélo avec vous. Alors la dernière fois c'était rue de Rivoli, vous êtes toujours président de Vélib Métropole. Cette fois-ci on est sur la dalle de la Défense. Alors des Vélib ici on n'en voit pas souvent, hein, on va pas se mentir. Il faut dire que la première station Vélib elle est à plus de 1 km d'ici. Mais ça pourrait bientôt changer car vous venez d'annoncer l'arrivée de Vélib à la Défense. Concrètement c'est pour quand? C'est pour 2025, ça va mettre encore un petit moment. Pour l'instant, on a acté le principe avec l'établissement public Paris-La Défense. Vu la densité de personnes qui travaillent ici, c'est d'avoir un service qui se déploie de façon significative. Et donc, c'est 30 stations d'un coup, 1200 bornes de points d'accroche et 560 vélos qui vont arriver spécifiquement pour La Défense en 2025. 2025, on peut pas être un petit peu plus précis que ça. Et toutes ces stations, elles vont toutes ouvrir d'un coup? Ça va être autour de l'été 2025 et on va essayer de faire en sorte que le maximum de stations ouvrent au même moment pour avoir d'emblée une offre qui permette de répondre aux besoins. Concrètement, ces stations, elles vont être installées où? Ici, sur la dalle? En dessous, on sait que c'est pas forcément très simple ici pour les cyclistes pour se déplacer ou se repérer. Et j'imagine que l'idée, c'est que ces stations soient les plus visibles possibles. Exactement. Elles sont très visibles, les stations Vélib, et surtout très connectées. On va s'adapter au plan de développement des pistes cyclables par Paris La Défense. Et donc, il va y avoir une partie des stations Vélib qui sera au niveau de la dalle et une partie des stations qui sera en souterrain, mais effectivement extrêmement visible et surtout extrêmement accessible. Et du coup, on se demande pourquoi il a fallu attendre si longtemps pour voir Vélib arriver ici. Il y a un vrai trou dans la raquette. Il y a quelques stations du côté de Courbevoie et de Puteaux. Pourquoi on a attendu si longtemps, finalement? C'est un trou que j'ai trouvé, pour ma part, un peu incompréhensible en arrivant. Après, ça se comprend aussi dans la mesure où le service est déployé progressivement et à partir de 2018. Pour nous, c'était un objectif d'arriver à la Défense, mais on a besoin de faire un déploiement qui soit significatif d'un coup si on ne veut pas créer de la frustration. Et donc, c'est ça qui prend un moment. Est-ce que vous pensez que l'arrivée de Vélib peut rendre enfin plus hospitalière cette dalle de la Défense pour les cyclistes? Là où la circulation des vélos a été très longtemps interdite, il y a eu un accident mortel ici. Est-ce que vous pensez que ça peut servir de déclic? Effectivement, il y a énormément de travail. Moi-même, un ancien salarié de la Défense et déjà utilisateur de vélos à ce moment-là. Je crois qu'il y a un vrai engagement de Paris La Défense dans cette direction-là. Le fait que Vélib arrive est un signe aussi. En tout cas, il y a un gros travail qui est fait de ce côté-là. Et donc, moi, j'y crois. Merci beaucoup, Sylvain Réfaux, d'être venu dans Parigo. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur la desserte actuelle et à venir de la Défense. Plusieurs améliorations à venir avec la montée en puissance du RER E en décembre, l'arrivée donc de Vélib et ensuite de la ligne 15 du Grand Paris Express. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Passez un très, très bon week-end. Salut.